Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Comment avoir des puces différentes dans une même liste, par exemple pour gérer une liste de points positifs et négatifs. La barre d'outils permet de créer rapidement une liste à puces dont on peut modifier la présentation. Premier inconvénient, les modifications sont apportées à toutes les entrées de même niveau dans la liste. Deuxième inconvénient, l'outil applique toujours la mise en forme par défaut. Toutes les personnalisations sont donc à refaire si nous avons d'autres listes dans le document. Plutôt que d'utiliser ce bouton, nous allons utiliser les styles de liste. La création de la liste est tout aussi rapide que par le bouton, puisque un double clic suffit. Et cette fois, les personnalisations sont réappliquées partout. Et si nous changeons d'avis, elles sont appliquées de nouveau sur toutes les listes mises en forme à partir du style. Les puces peuvent être choisies dans l'onglet puces qui propose des styles par défaut ou dans un choix d'images stocké dans la galerie. Mais nous pouvons aussi personnaliser en choisissant un caractère parmi les polices. Par exemple, Open Symbol, et nous pouvons également personnaliser en allant rechercher une image à partir d'un fichier. Pour gérer deux puces différentes dans la même liste, des plus et des moins par exemple, nous pouvons tout d'abord utiliser deux styles différents. Nous allons créer un nouveau style pour pouvoir lui donner un nom significatif. Par exemple, plus. En option, nous demandons des puces, caractère. Par exemple, en police Open Symbol, nous allons utiliser ce plus. Et pour appliquer le style, voilà. Nous pouvons maintenant créer le style pour la présentation des moins. Donc, je vais faire un nouveau style que je vais appeler, par exemple, moins. Qui, comme puce, utilisera le caractère dans la police Open Symbol, par exemple celui-ci. Et pour appliquer, donc par exemple ici, la puce moins, il suffit de double-cliquer sur le style. On peut aussi utiliser un seul style, en définissant des puces différentes pour les niveaux 1 et 2. Nouveau, gestionnaire, plus, moins, puisque un seul style nous permettra d'avoir les deux symboles. Et cette fois-ci, niveau par niveau, donc par exemple pour le niveau 1, nous allons utiliser le symbole plus. Et pour le niveau 2, nous allons utiliser le symbole moins. Et dans l'onglet position, nous allons définir la même position pour le niveau 2 que pour le niveau 1, à savoir 0,64 et 1,27.
Nous pouvons donc ensuite appliquer notre style. Par défaut, niveau 1 affiche uniquement des plus. Nous pouvons utiliser les flèches pour passer au niveau 2, qui reste au même niveau puisque nous avons changé la position, et comme ça basculer simplement pour l'utilisateur de plus à moins. Et enfin, pour terminer, voyons comment supprimer une liste créée par un style, par exemple pour enlever la liste de ces paragraphes. Eh bien, il suffit de cliquer dans la barre d'outils, comme nous le ferions pour une liste créée par le bouton.